Nous espérons voir Tripoli tomber entre nos mains d'ici demain lundi. Propos d'un chef militaire de l'insurrection, alors que les rebelles semblent progresser dans la capitale libyenne, où ils sont entrés samedi soir dans le cadre d'une offensive baptisée Opération Sirène par le Conseil National de Transition. L'organe politique de l'opposition a affirmé avoir formellement demandé à l'OTAN de s'impliquer directement dans les combats. Il a aussi rappelé son objectif, que Kadhafi se rende ou qu'il fuit le pays, en assurant qu'il ne s'opposerait pas à cette seconde option. Dans le camp d'en face, le porte-parole du régime, Moussa Ibrahim, a lancé un appel sincère, a-t-il précisé, à un cessez-le-feu immédiat. We believe unless the international community heeds... Si la communauté internationale ignore cet appel, a-t-il poursuivi, il y aura un bain de sang et des crimes terribles seront commis dans de nombreuses villes libyennes. Inside several Libyan cities. Sur le plan diplomatique, la journée a été marquée par la décision de la Tunisie de reconnaître officiellement le Conseil national de transition comme représentant légitime du peuple libyen. Jusqu'ici, ce pays voisin avait observé une neutralité prudente par rapport aux belligérants, peut-être un signe supplémentaire de la chute prochaine du régime.